ateliers, c'est aussi pour sensibiliser ou donner envie à des enfants de faire de la musique, d'écrire, leur montrer autre chose, qu'on peut travailler autrement. Je pense que c'est la première fois pour beaucoup qui voient ou qui entendent ce genre de musique, et je trouve ça intéressant de les confronter à des choses sans chercher à forcément les faire adhérer à quoi que ce soit, mais juste de montrer quelque chose d'autre et de montrer un peu ce que c'est un travail artistique. Et voilà, essayer de les amener quelque part ailleurs, quoi. Ailleurs que dans l'école, ailleurs que dans leur vie. Et un peu ce que je recherche, moi, en étant musicien, en écrivant des chansons, en faisant des choses, quoi, de sortir un peu de ce monde ennuyeux. Je crois surtout que la mise à disposition et d'outils, de connaissances et la circulation de la culture est vraiment très 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 importante. Et moi, mon rôle, enfin si je dois en trouver un là-dessus, c'est vraiment de dédramatiser un petit peu le côté technique et le côté grand musicien. Voilà, moi, la musique est vraiment possible pour tous. Et il n'est pas utile d'être un grand musicien, un grand technicien pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir créer, pour pouvoir s'évader. Et c'est valable pour plein d'autres disciplines, pas que pour la musique. Et là, actuellement, on fait un distinguo entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, et je crois qu'on se trompe vraiment de débat, clairement. Et oui, la culture est essentielle absolument dans tous les sens, mais c'est pas toujours facile de s'adapter, de se réadapter, de se réinventer pour continuer à créer et pour continuer à amener les autres vers la création. Voilà, il y a certaines limites qui sont de plus en plus difficiles à dépasser.